Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gelden pour les jeux du cinéma. Et ce soir, on va streamer sur Clanfolk. Voilà, il y a déjà pas mal de monde qui nous a rejoint. C'est bien de streamer un samedi soir. C'est vrai que généralement, je fais plutôt le dimanche. Il y a un peu moins de monde, mais... Ou alors sinon, c'est la nouveauté, je sais pas, tant mieux. On va essayer d'attraper ce record. Donc, Clanfolk, ouais, je l'avais déjà présenté il y a de ça plusieurs mois. C'est un jeu que j'ai qui va tout de suite plus. Hein. Il y a une démo qui est jouable depuis longtemps. Moi, c'est comme ça que j'avais découvert. C'est édité par Hooded Horse, qui est un très bon éditeur qui font plein de trucs très sympas. D'ailleurs, vous devriez en entendre parler d'ici peu. Il y a d'autres jeux édités par Hooded Horse. C'est eux qui éditent Against the Storm, que le signe vous avait fait il y a de ça quoi, un mois environ. Et c'est eux qui éditent Old World, c'est eux qui éditent Terra Invicta, Manor Lords, qui sont des jeux qui sont sortis récemment pour la plupart. Il n'y a que Old World qui est un peu long, un peu ancien. Et c'est vraiment un chouette éditeur. Ils font des. Globalement, c'est voilà, c'est bien ma branche à moi. C'est de la stratégie, de la gestion, des jeux un peu lents, un peu de réflexion. Voilà. Et donc, Clanfolk, bah, c'est un jeu à la RimWorld, mais en plus tranquille. Donc, on trouve sur Steam, hein, il est pas, on ne le trouve pas sur GOG. Il est à 20 euros. Il est en français intégralement. Par contre, c'est que du solo. Ça ne se joue pas en multi encore. C'est de l'early access. Hein. Ouais, sous les kits. Donc, c'est de l'early access. C'est encore un jeu qui est en développement, mais donc depuis, il est sorti 14 juillet dernier. Donc ça fait de ça 8 mois, 8-10, ouais, 8-9 mois. Il y a eu pas mal de mises à jour et c'est vrai que depuis j'ai pas mal. Enfin j'ai un peu joué l'été dernier, un tout petit peu cet automne, et puis finalement après la présentation, j'y suis pas beaucoup retourné. Donc il y a eu pas mal d'évolutions depuis, pas mal de trucs nouveaux. Donc on va découvrir ça ensemble. Je sais qu'il y a des chats, il y a des. Il y a des loups, il y a des brebis, il y a des points de recherche. Ah non, je sais pas si les loups et les brebis, c'est peut-être sur la branche bêta. Ouais, c'est un beau bébé. Allez, on va passer au jeu. Tac. Donc. Alors là, vous voyez pas ma capture de jeu. C'est normal puisque je suis pas sûr. Top, là, ça devrait être mieux. Voilà. Solo dev, oui, tout à fait. C'est un développeur solo. C'est ça. C'est relativement lent, mais c'est un mec à la sortie de l'early access. On se demandait si le gars il dormait, quoi. Voilà, donc on a une interface intégralement en français. Donc c'est situé, donc c'est la fin du Moyen-Âge. On est en Écosse. On va jouer un clan donc qui va s'installer dans un nouveau fief. Et voilà, il est en train de. Il a plein de projets. Donc on va voir ce qu'il nous propose. Donc on va démarrer une nouvelle partie. Tac. Alors au départ, il y a des points qui permettent de personnaliser la carte qu'on va avoir. Il y a des lacs, il y a des tourbières. Alors ça, typiquement, les tourbières, j'ai jamais joué avec. Des montagnes, des forêts, des plaines, de la faune. Et puis donc si on a des. On peut aller choper des seeds sur le Discord du jeu. Hein. Il y en a plusieurs qui partagent des seeds qui sont sympas. Bon, on verra. Et puis alors il y a l'histoire d'idées alternatives. Ça c'est pareil, c'est un truc avec lequel j'ai jamais joué, les points d'idées. Requiert planification des tâches, gestion de l'humeur et attribution judicieuse des points d'idées pour être prêt avant l'hiver. Ne pas essayer avant d'avoir vécu quelques hivers. Ah, c'est. Attends, c'est pas mis de base. Parce que ça, justement, je voulais le tester. Débloque des idées, coûte des points d'idées. Si, bah, je vais faire ça.
puisque j'ai quand même joué quelques fois. Bon, on va voir, on va tester. Hop, on va partir sur un monde de base avec zéro partout. Donc un truc le plus équilibré possible. Voilà, donc les graphismes sont pas ouf. C'est sans doute ce qu'on peut lui reprocher. Voilà, donc on a de la roche, on a des lacs qui sont pas du Connemara, mais presque. On a différents types d'herbes, de broussailles, de fleurs, etc. C'est assez joli. Vu de près, c'est quand même plus joli. Et donc on va créer un clan là-dessus. Tac. Alors. Il faudrait le clan du cygne, les Maximus. Est-ce qu'on peut en créer un personnalisé ou pas? Il faudrait les Maximus. Un truc ici. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse avoir un nom personnalisé encore. Les clans des Anatidae. Home Interkiss. Dans le monde normal, tu débloques les idées en construisant. Oui, ça c'est ce à quoi j'ai joué. Dans l'arbre, ce mode change ça en te laissant débloquer manuellement avec des points qui sont générés par des villageois de façon passive en travaillant. Non, mais ça je voulais tester justement. Donc, bon, on va prendre les McDonald's. Hein. Donald, c'est presque un cygne, c'est un canard. Bon, puis on a un caneton avec nous. Allez, les McDonald's. Et voilà, donc il y a différents scénarios de départ. Le scénario de base, c'est un nouveau départ. On a un grand clan. Berger, donc une famille juste avec des parents et des moutons. Orphelin, on a juste des enfants. Ermite, c'est un gars tout seul avec ses chats. Et puis on peut personnaliser. On va prendre nouveau départ. Donc on a deux seniors, deux adultes et deux jeunes et un bébé. Les McCormick. Non, je trouve McDonald's, ça me plaît. McDougal. McGregor, forcément. McCormick. Ah, pardon, oui, ok. J'ai fait le lien. Il m'a fallu un peu de temps, mais. McRae. Robertson, Ross, Stewart, Sterling. Ouais, bon. Voilà, et donc on peut se rajouter, on a une reste 20 sous, si on a besoin, on peut rajouter des trucs. On peut faire des rerolls pour si on a des trucs qui nous plaisent pas. Bon, on va voir, on va se débrouiller avec ça. Je redécouvre. Hop, allez, c'est parti. Voilà, donc de plus proche, c'est quand même moins moche. Là, je suis en pause. Et voilà, donc. Il faut se trouver un spot de départ. De mémoire, j'aime bien quand on est à côté de la roche pour pouvoir s'installer rapidement. Oui, je l'avais la référence. C'est juste, il m'a fallu un peu de temps. J'aime bien être un peu au centre aussi. C'est souvent plus mieux. Là, il y a pas mal de cailloux. Sinon, je commence par là et puis j'irai ensuite un peu plus au sud. Pourquoi pas? Toute façon, l'eau est indispensable ici. Hop. Alors, que je me souvienne. Donc, on a des constructions. Hein. C'est le menu architecte de Rimworld. Hein. On fait toit, mur, sol. Ah non, pardon, en fait, c'est pas le menu architecte. Et donc là, on a peu de trucs pour l'instant, mais on en aura plus tard. On a des différentes tâches. Alors ça, c'est tellement bien. Ça fait partie des trucs que j'ai jamais joué. Mais le fait de toujours récolter à 100%, c'est pour moi indispensable. Inventaire, j'ai pas grand-chose. Liste des tâches, j'ai rien de prévu. Et j'ai 5 points d'idées. Alors, les villageois génèrent des points d'idées en travaillant. Les villageois avec des compétences et une humeur élevée
On génère plus rapidement les villageois avec des compétences et une humeur faible. On travaille en mode heure sup, on génère plus lentement. D'accord. Donc du coup, comment 30%. Ouais, ce sera plus rapide que 30%. Il n'y a rien qui se débloque tout seul. Tel que je le comprends. Alors ouais, il faudra beaucoup de place, mais c'est pas pour tout de suite. Donc oui, il en faut de la place. Hein. Donc là, actuellement, ça, c'est ce que je peux déjà faire, c'est débloquer. Et j'imagine que ça, c'est le nombre de points que ça me demande. Qu'il y a effectivement des trucs qui sont pas forcément hyper indispensables tout de suite. Mais il y en a qui seront indispensables. Dépôt de composants, les composants. Les seuls trucs avec une petite icône guidée au-dessus sont à débloquer manuellement. D'accord. Ok, donc tout ça se débloque tout seul. Ensuite, il faudra voir selon ce que je veux faire. La batteuse, typiquement, c'est indispensable. Ouais, il y a des trucs qui sont un peu indispensables quand même. La nasse à anguille au début pour survivre. Le feu de bois, c'est pareil. Il y en a dont on peut se passer, mais en tout cas dans un premier temps. Ouais, donc là on est à quoi? Là on est au début de l'été. On est au début de l'été. Bien entendu, le truc difficile, ce sera l'arrivée de l'hiver. Puisque voilà, il faut être capable de tenir la durée de l'hiver, parce que bah, on est en Écosse et en hiver, en Écosse, il fait froid. Donc, en obtenant leurs composants pour la première fois. Ok. Merci pour cette précision. Ok, donc ça, c'est le peu de bouffe que j'ai. Donc, de toute façon, on va faire les tâches classiques. On va collecter de la pierre. Tac. On va collecter des branches. On va collecter des branches. Est-ce que j'ai des branches par terre? Non, pas là. J'en ai quelques-unes par ici. Tac. Ouais, donc là, en fait, je vais commencer par m'installer ici au tout début, histoire d'avoir un bâtiment rapide. En fait, le fait de pouvoir creuser dans la roche, c'est quand même très très utile. Et puis ensuite, si je veux faire des bâtiments, j'essaierai de les faire plutôt par là. Ça me semble être un bon compromis. Récolter des branches, récolter des baies. Lutter contre le froid en Écosse, une boisson. Je crois que c'est pas encore implémenté. Je sens que tu vas être très très déçu. Est-ce que j'en mets des buissons dans le coin? Où est-ce que je les. J'ai pas de buissons. Hein. Si, là j'en ai un peu. Ok. Oui, il faut les voir quand même. Oui, c'est forcément prévu. Bah, effectivement, pour un truc qui est pas de champignons, non, parce qu'on a donc comme on est en été, il n'y a pas de champignons encore. Les champignons, c'est en automne. Hop, ok, je vais devoir m'installer des zones de repos. Pour l'instant, ils peuvent dormir dehors. 4, 5, 6, 7. Oh là là, ils sont. Oh putain, bah oui, forcément. Il faut leur prévoir. Et des zones de boisson. Hop, des zones de lavage. Tac, 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 tac. Hop. Stubbs, quoi, le fait d'être. Et voilà. Ah oui, attends, sinon il y a. Donc j'ai 29 tâches en cours. Compétences. Il faut que je désactive tac tout ce qui plaît pas. Waouh, 3 points négatifs là. Hop. On va leur interdire ce qui leur plaît pas. Tac. Tac. Et ensuite, bon, on va voir un peu si ça se fait tout seul ou. C'est quoi, a priori strict, ça certainement pas au début. Donc le soin en premier, nettoyage en dernier. Bah, disons, je pense qu'ensuite dans ce cas-là, ça sera sur les modes.
à mon avis. Allez, on va enlever la pause et puis on va voir ce qui se passe. Voilà, donc ils partent récolter. Tac. Et logiquement, ça va me débloquer des trucs. Hop. Alors attendez, il faut que je modifie parce que j'ai l'overlay du chat qui est en plein milieu. Je vais me décaler par là, histoire que ce soit moins prenant. Non, je ne vais pas quitter. Donc ça, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Et c'est reparti. Merci pour le trinquage. Oui, il va falloir que j'accélère aussi. À la tienne, 30%. Donc j'ai récolté plein de trucs. Est-ce que ça m'a débloqué quoi que ce soit? Zone de stockage? Non. Si. Donc j'ai débloqué la zone de dépôt de composants. Hop, dépôt de composants. Tu vas me déposer ça par ici, s'il te plaît. Ouais, c'est en fait donc on est ici, c'est une chaîne communautaire, donc on est plusieurs. Ah tiens, j'ai des buissons ici aussi. On est plusieurs à comment à faire du stream, enfin à faire du stream. Techniquement on n'est que deux, parfois, bon, ouais, en gros on n'est que deux. Et nouvelle idée importante disponible, zone d'artisanat. Bah oui, tu m'étonnes qu'elle est importante. D'accord, donc il suffit de cliquer dessus pour que ça se fasse. Et donc notre gourou à nous, qui est le signe noir, souvent oublie de boire. Et en fait, c'est pour que ces gentils viewers lui rappellent qu'il est censé picoler. Donc un dépôt de bouffe, un dépôt d'artisanat. Je sens, Canton, que tu as de fortes envies. Alors, une faux en pierre indispensable pour récolter les hautes herbes et les roseaux. De mémoire, ça, je veux toujours en avoir deux. Hop. Voilà, oui, merci. C'est bon. Alors, je vais accélérer un petit peu parce que l'un des défauts, c'est quand même que c'est un peu lent. Tâche, récolte les cailloux qui sont là. Voilà, et donc là, il est parti se faire une faux qui va nous permettre de récupérer ici des roseaux. Voilà, et donc, hop, j'ai débloqué la tâche pour faucher. Hop. Et je vais lui demander de faucher cela. Je suis sous Médoc qui a un peu enrhumé. Eh ben, nianque. Et c'est important de savoir rester autonome. Voilà, et comme je fauche, je récolte à 100%, ça me permet, hop, de ne pas tout récolter, de laisser. Le problème, c'est que sinon, on perd du temps. Nouvelle idée importante disponible. La batteuse est totalement indispensable. Hop. De mémoire, on peut aussi. Comment est-ce qu'on fait tourner les serviettes? Non. Tac. Comment est-ce qu'on fait tourner les objets déjà? Je sais plus. Molette R, d'accord. Merci. Clic molette. Okay. Donc la batteuse, donc qui va nous permettre de faire, de battre le blé, de battre les herbes, de faire des roseaux, enfin de faire de la paille. Hop. Voilà. Faire des tiges de lin, de mémoire, je m'en sais. Je faisais en short d'en avoir toujours 50. Tac, tac, tac. Et la paille, c'est totalement indispensable en permanence. Tac. Alors, hop, nouvelle idée importante, la nasse à anguille, bien entendu. Pour aller choper de la bouffe. Tac. Je vais m'en faire. Alors il y a des histoires de pêche, 90%. Ah, il n'y a plus de
Je vois là en haut à gauche, il indique pêche 90 sur 90. À une époque, il n'y avait pas un deuxième paramètre sur la flotte. Non, peut-être pas. Que du coup, il faut pas trop en faire parce que sinon, on se retrouve à assécher en fait un. Ah, débloquer les graines d'avoine. Hop. Ici, graines d'avoine. Hop, tu vas en avoir pour 10. Oui, donc je génère des points d'idées. Ouais, 2000 anguilles crues. Alors, j'ai besoin d'anguilles crues. Et donc là, il faut programmer. J'en veux 5 et j'attends demain. Et je répète. Tu penses c'est peut-être au taux de croissance des poissons? Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Au même endroit que les plantes. Ah ouais, taux de croissance 95%. D'accord. Alors que là, j'ai un taux de croissance de 80% et un taux de pêche de 59%. Hop. Anguille crue et ça. Ouais, donc là, chaque nas, ils vont faire en sorte d'en récupérer 5 par jour. Ce qui normalement ne devrait pas trop impacter. Enfin, ça en fait 10 puisque j'en ai 2. Ça devrait pas trop impacter la croissance du schmilblick. Top. Des branches. Ah, j'ai une autre idée indispensable. Le feu. Bah oui. J'ai besoin de faire cuire ma bouffe. J'ai besoin de ne pas enflammer tout. C'est plutôt bien. C'est plutôt pratique. Ouais, d'accord. Ouais, je suis d'accord que c'est assez basique. Pas besoin d'une aussi grande zone de nourriture. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qui me manque là? Ouais, on peut pas. Je me souviens que. Hop. On peut pas refaire la taille. Non, c'est pas ça. Comment je fais pour la supprimer? Supre. Une zone, là, comment on fait pour la supprimer? Ah, mais il faut qu'il retire le dépôt. Tac. Hop. Falloir juste ça pour la bouffe. Là, bon, ouais. Tac. Hop. Alors, de quoi est-ce qu'il a besoin? De cailloux, c'est ça? Il faut des pierres, des cailloux, ouais. Alors, j'ai pas assez de cailloux. J'en ai 17, en effet. Alors, allez me chercher des cailloux. Hop, allez en chercher. Là, il y a tout ce qu'il faut. Hop. Allez me cueillir des branches. Allez me récolter des baies. Non, les baies, il faut pas que j'en prenne trop parce que c'est périssable. Là, les tiges de lin, je ne peux pas en faire parce que je n'ai pas de lin, j'imagine. Ouais, ou X, t'as raison. Qu'est-ce que c'est ça? C'est parterre de chardon. Donc là, à chaque fois, ce que je lis, hein, c'est effectivement dans la zone d'info qui est en haut à gauche. Bloqueur de dépôt. Ouais, il faut que je mette un bloqueur. Bloqueur d'inflammable. Sur tout ce qui est autour. Paf. Là, j'ai besoin que tu me fasses en permanence 10 anguilles crues, s'il te plaît, monsieur. Débloquer les roseaux. Je peux replanter les roseaux. C'est indispensable. Hop. La bombe servira à pêcher, ouais. Certainement. Hop, ici, là ou en pierre, indispensable aussi. Tac, tu m'en fais 2, s'il te plaît. Hop. Ouais, le lin, ça c'est quoi? C'est. Ah, ça s'appelle tourbe. Extraire brique de tourbe humide. D'accord. J'avais pas pensé à ça.
Tout ça, c'est du chardon. Toc. Bruyère. Oui, la bruyère, c'est joli. D'accord, donc ça, c'est la tourbe. Ah, celle-là. Là, c'est du lin. Voilà, si je veux du lin, il faut que j'aille en chercher ici. Et si je veux... L'avoine, c'est ce que je suis en train de faire. L'avoine, ça m'a en train de faire du pain. Plus tard, si je me souviens bien. Tiens, tu vas me toucher un peu de lin, s'il te plaît. Merci d'avance. Ici, qu'est-ce qu'on peut en faire, la tourbe? Rien pour l'instant, peut-être. Peut-être que j'ai une houe. Tac. Alors, tu m'as fait ça, très bien. Si j'ai finalement t'agrandir un peu. Ah putain, on peut pas agrandir les zones, c'est chiant. Tac. Bon, tac, dépôt debout. Il y a un outil spécial pour la récolter. D'accord, ouais, je me doute. Il y a une certaine logique. Là, j'ai des gros cailloux. Voilà, récolter de l'argile. Voilà, et maintenant il me faut des toilettes. Il faut que je fasse des latrines. Et si je vais essayer de faire des latrines, pas au milieu de tout le monde. Parce qu'on ne veut pas voir les gens qui font pipi caca. Où est-ce qu'ils vont aller faire pipi caca? Hop. Tac. Je vais en faire un là. Et un là, est-ce que je suis vraiment loin? Peut-être pas. Pour agrandir une zone. Ah, tu peux cliquer sur le plus pour en créer une nouvelle, ouais. Puis, clique droit depuis l'intérieur d'une zone existante. En effet. Ouais, je suis peut-être un peu prêt pour. Donc, si les autres les voient faire pipi caca, et ben ensuite, ils sont pas contents. Mais plus on met les zones de pipi caca loin, bah, plus ils perdent du temps pour y aller. Récolter de l'argile. Hop, indispensable. Ici. Ensuite, construction sol, chemin en terre. Ah oui, ça permet d'accélérer les trajets. Pour l'instant, je n'en ai pas vraiment besoin. Hop là. Et j'ai débloqué. Alors, la hache de pierre, indispensable. Et la ficelle. Totalement indispensable. Trois planches et une porte ne suffisent pas. Si, si, sinon je peux faire ça, mais ça, il faut que je le débloque. Parce que pour l'instant, tu vois, je n'ai pas de mur. Donc il faut que j'aille chercher. Ah, attends, il me dit que. Nouvelle idée importante, le four à charbon. Transforme les branches en charbon de bois. Et le charbon de bois, c'est utile, mais ça coûte deux. Ok, et eh ben je vais quand même le faire. Tac. Tiens, et si je brûlais? C'est un peu ça l'idée, hein. C'est le gars il dit mais j'ai récupéré ça, et si je le brûlais? Ce qui n'est pas tout à fait absurde. Graines de l'homme. Hop. En voudrais 10, s'il vous plaît, madame la boulangère. Hop. Voilà, la nuit n'est toujours pas tombée. Et je peux maintenant voilà. Pioche en pierre. Je peux m'occuper des troncs et des arbres. Abattre les arbres. Tac. Hache. Couper les arbres. Couper les buissons. Hop. Bois. Je peux aller chercher du bois. J'ai pas beaucoup de bois juste à côté de moi. Pour ça, cet endroit, il n'est pas génial. Tac. Ouh, elle a envie de faire caca. Eh ben, elle va faire caca, cocotte. C'est une fouille des anses, là. C'est là. Je vais faire une autre latrine de l'autre côté, là. Hop. Ça sent pas bon. Va te laver.
Voilà, donc il y a tous les paramètres, hein, humeur, travail, senior, parce qu'elle n'est pas toute jeune, et puis quand ça arrivera à zéro, ben, elle mourra. Santé, nourriture, eau, sommeil, température, propreté, toilette, social, loisirs, environnement et tartan. Quand débloquer le charbon de bois. Formidable. Hop. Fais-moi s'il te plaît. 20 charbons de bois en permanence. Et 50. Non, la cendre, c'est bon. Moi, je sais pas. Ah si, c'est utile pour. Utile pour le compost de mémoire. Voilà, donc si je voulais, oui, pour terminer, parce que je me suis interrompu dans ce que je disais, tu vois, si je veux caneton faire trois planchers et une porte, eh ben, il va falloir que je débloque soit le mur en paille, soit enfin le mur en paille, la porte en paille, ou alors la même chose mais avec des branchages. Je les ai ici. Mur de branches. Ah, il faut que je récolte plus de branches pour avoir le stockage de branches. Allons chercher plus de branches. Ils sont là, c'est là, collecte les branches. Hop. Il y a tout le temps des trucs à faire non plus. Mais ouais, donc on va attendre pour les. Voilà, les latrines, elles sont. Non, il n'y a pas une question de quantité. C'est juste que ça sent pas bon. Ah, et je peux maintenant creuser la montagne. Formidable. Je vais donc creuser la montagne pour essayer d'installer une première. Tac. Hop, un dépôt d'outils, c'est très bien. Tac. Tac, une belle pièce carrée de 6 par 6. Alors, tout déblayé, j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai plein de dépôts d'outils pour que ce soit pas trop le bazar. Dépôt général, c'est pour tous les trucs que tu sais pas où les mettre. Hop. Voilà, bébé dehors. Pour l'instant, ils vont dormir dehors, mais ils iront vite dedans. Et j'ai débloqué un nouveau point d'idée. Ça fait. Non, il n'y aura pas d'infestation. C'est un jeu tranquille. On s'énerve pas, tout va bien. Là, il a. Je dois partir, mais je repasse la situation, je joue à Clan Foc. Merci d'être passé et merci pour le. Sur la VF. D'accord, ok. Ça roule. Bah écoute, merci d'être venu et de m'avoir rappelé deux, trois trucs. Au plaisir. Je ferai peut-être de temps en temps du Clan Foc. C'est un jeu que j'aime bien, je le trouve vraiment sympa. Mais je Twitch pas souvent non plus, donc. Oui, il va me falloir des matelas sommaires. Piège à rat. Des murs en pierre, ça va se débloquer tout seul. Extraction du fer, non. Champignons séchés, sac. Ça se fera tout seul. Paillasson. Ah oui, il y a moins de sel, oui, ça c'est sûr, c'est beaucoup plus chill. Mais ouais, donc le principe. Attends, je peux pas aller chercher directement les. Pardon, le principe, hein, c'est beaucoup de la lutte contre l'environnement. Mais voilà, il n'y a pas d'ennemis. Il a plus ou moins dans l'idée un jour ou l'autre d'implémenter les. De mettre éventuellement des brigands. Mais voilà, là il y a des loups. Enfin, il est en train de développer un système de loups. Mais c'est sur la version bêta, hein, que j'ai pas. Enfin, sur la branche bêta que j'ai pas utilisé là. Un système de loups, de chiens et de cerfs, je crois, ou de biches, je sais plus. Donc qui forme en soi
un peu un triangle indispensable de prédateurs et chasseurs. Ah, c'est là la pêche à tourbe. Voilà, et donc il implémente voilà, des trucs petit à petit. Je crois qu'il a dans l'idée de rajouter un jour ou l'autre des brigands, mais ça restera. Voilà, c'est l'objectif, c'est pas de faire un truc à la Rimworld, quoi. C'est pas. C'est quand même prévu que ce soit plus tranquille que Rimworld. Ce qui est pas forcément très difficile. Qu'est-ce que je vais débloquer? Qu'est-ce que je vais débloquer? Oh, tellement de choses. On va jouer et puis on verra. Ah, donc là, il mange. Hop, on voit nourriture, il y a les petites flèches qui montent. Hop. Tant qu'il est en bonne santé, enfin tant qu'il se nourrit bien, il est en bonne santé. Voilà. Et ensuite, ils vont faire dodo. Bon, je vais passer en x4. Là, il n'y a plus grand-chose à faire. Alors, roseau. Hop. Tu me replantes tout ce qui est autour. Bah, donc je lui dis de me faire des. Ah oui, il y a les. J'ai mes coques aussi. J'ai pas de zone pour les stocker, mes bestiaux. Agriculture, non. Ça débloque aussi dans les idées. Paillasse pour animaux. Ah, il faut avoir débloqué le matelas. Bon, de toute façon, je vais faire le matelas, c'est totalement indispensable. Hop. Tac. 4, 5, 6, 7. Tac. Allez, je repasse en x2. Même peut-être. Peut-être en x4. Bon. Voilà, donc la maman elle s'occupe du bébé. Bébé se lave. C'est des gens très propres en tout cas. Les Écossais sont des gens très propres. Personne n'en doute. Alors du coup, ça évolue comment? Hop. Voilà, la pêche, hein, on voit toujours en haut à gauche. Hop, ici, là. La pêche, bah, ça a diminué parce que comme j'ai chopé des anguilles, bah, ça a diminué la quantité, mais ça recroît derrière. Ah tiens, ça qu'il faut que je refasse par là. Qu'il puisse se laver les mains. Après être allé aux toilettes. C'est important. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui aille me. Et voilà, et donc là, du coup, maintenant, j'ai mes paillasses pour animaux. Tac. J'ai quoi? J'ai trois poules. Pourquoi j'ai personne qui creuse? Alors, c'est là où il faut aller dans compétences. Extraction. Marion, qu'est-ce qu'elle fait, Marion, là? Hein? Elle est en collecte principale? Non, non plus, je vais y arriver. Ah ouais, d'accord, elle est en collecte en principal. Alors du coup, je vais lui remonter ça. Ah oui, de toute façon, c'est ça qu'il faut toujours mettre
en priorité. Ah, par contre, je ne vais pas manquer de bûcherons. Mettre en priorité les tâches qui leur plaisent le plus. Donc, Marian, je sais pas comment ça se dit en écossais. Ah, j'ai débloqué les œufs. Où sont les œufs? Ah, mais c'est peut-être qu'elle a pondu. Stockage des branches. Très bien. Je sais pas. Et donc là, j'ai laissé la... ils ont laissé un tronc. Et donc, en automne, eh ben, les troncs, il y aura des champignons qui vont pousser autour. Alors, j'ai plus assez de paille. J'ai besoin de quantité de paille importante. Donc, il faut pas que j'en fasse 50 en permanence, il faut que j'en ai besoin de 100 en permanence. Ah, j'ai débloqué les plans de lin. Peut-être transformé en tissu. Voilà. J'ai tout un système d'industrie. Hein. Je vais pouvoir me faire du coup des terres arables. Stockage de branches. Très important. Tac. En écossais, ça se commence pas, ça se boit. Et il m'avait semblé que peut-être que la terre labourée, ouais, c'est ça, c'est derrière ces deux points. Ouf, peut-être pas aller chercher ça tout de suite. Séchoir à champignons. Ah, Marion s'est mise à creuser. Formidable. Donc là, j'ai mis un stockage de branches. Donc logiquement, les branches, il devrait les emmener là. Je sens que mon stockage de composants, il faut que je l'agrandisse sévèrement. Hop. Ah, il va falloir que je fasse une porte. Forcément. Donc de toute façon, j'ai besoin d'une porte. Hein. On va arrêter de tourner autour du pot. Une porte en paille. Hop. Tac. Allez. Fais-moi une porte. J'en ai besoin pour ici. Là, il me ramasse les branchages. J'ai vraiment besoin que tu me fasses de la paille. Alors, si j'ai besoin de. Si je veux le mettre en urgent. Alors, on peut pas comme à Grimworld, hein, prendre un personnage et faire un clic droit sur un truc et puis dire maintenant tu vas faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, donc. Galère pour. Oh la vache. Mais ça, ceci, c'est nouveau. Je crois qu'il pouvait pas avant traverser la flotte. Ouais, je crois que tu. Donc, si je veux que. Voilà. Qu'il le fasse impérativement, je mets un boost de priorité pour que. Pour qu'il aille me faire en priorité bah, ce que je lui demande. Alors là, il y a du fer. Peut-être la saison là, pareil, hein, toujours en haut à gauche, on voit c'est des filons de fer. Alors que là, c'est juste du gravier, c'est de la montagne. Non, enfin, c'est juste de la montagne.
On commence à mettre les lits à l'intérieur. Ah mais merde, si j'ai besoin de paille, je suis bête. Il faut que j'aille faucher tout simplement. Hop. Allez me faucher ça là, les gens. Hop. Façon, au début, on a vraiment besoin de d'énormément de paille. Ouh, ça lag. Hop là. J'ai Sir Stan. Ils ont mis un nom bizarre, c'est hollandais. C'est hollandais, c'est écossais. Hop, qui s'est mise également. À creuser. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas contente? Transpire. Bavardage ennuyeux, sympa. Sommeil de plomb. Ouais, donc là, la gestion du moral est plus facile qu'à Rimworld aussi. Elle a toujours chaud là. Rassasié. Ah non. Hop. Bavardage ennuyeux, transpire, halète. Ouais, ça lui bouffe de la nourriture, de l'eau, mais ça augmente son social, son humeur, ses loisirs. Il est tellement mignon. Hop. Tac. Bon, je vais passer en x4, le temps qu'il finisse de me creuser tout ça. Ah, le stockage de pierre a été débloqué. Ça, c'est pratique, le stockage de pierre. Hop. Tac. Alors, j'ai mes paillasses pour mes poules. Elles sont là. Alors, les poules, je vais les déplacer et je vais leur dire de venir par ici. Donc, j'ai leurs paillasses. Graines de foin. Hop. Est-ce que c'est 10 pour... Alors, de toute façon, l'agriculture, je ne vais pas en faire tout de suite. Graines d'avoine, hein, il faut en avoir 50 pour passer là. D'accord. Graines d'avoine, je vais dire d'en faire 50. Même chose pour les autres. Hop. Ah, donc il fait en priorité, hein, ce qui est ici. Enfin, ce qu'on fait en manuel et puis l'automatique il est fait ensuite. Clic droit pour les sélectionner. Ah voilà, donc là maintenant qu'ils ont fait la fenêtre, bah, du coup on ne voit plus rien. Donc c'est tout noir. Du coup ça va pas lui plaire puisqu'il a peur du noir, obscurité, du coup il travaille moins bien. Donc du coup il faut que je débloque des. Tiens, je n'ai pas de. Je ne vois plus rien si je faisais une fenêtre. Hop. Fais-moi ça en urgence. Voilà, j'ai débloqué l'avoine. Hop. Hop. Et voilà. Et tout d'un coup, il fait beaucoup plus jour. Et tac, tac, tac.
Et donc ça, tout ça, je peux le détruire. Attends, hop. Hop. Tu vas aller là. Un caisse de minerai avec lampe intégrée. Ouais, c'est une idée. Juste, là, je vais regarder si je le trouve, mais je suis pas sûr. Caisse de minerai, non, je crois pas. Non. Mais qu'il est bête. Ah, il y a un système d'autorisation aussi. On peut. Il y a des systèmes d'autorisation, parce qu'il y a un système d'ouvriers, famille, etc. Avec des niveaux d'accréditation. Donc là, actuellement, mes poulets, bah, ils dorment dehors, quoi. Je m'en fous un peu, mais. Ils dorment dehors. Hop, tac. 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 Et c'est la nuit. De mémoire, chaque saison dure 7 jours, 10 jours, je ne sais plus. Caisse de carcasse. Ah oui, parce que, bien entendu, à un moment ou à un autre, il faudra les chasser. Avoine. Ouais, donc ça, c'est quand je serais capable de faire des terres arables. Toi, tu me fais quoi? Une pioche en pierre. Ok. Plus les outils s'abîment. Est-ce que ça me surprend un peu que. J'ai plus beaucoup de bouffe. Il va peut-être falloir que je pense à débloquer un truc de chasse. Attends, tu verras, je peux aller chercher encore. Tâche, va me cueillir les buissons, va me cueillir des baies. Je l'avais vu là. Hop, il y en a là aussi. Parce que là, ouais, j'ai plus beaucoup de. Oui, mais c'est là, jour de nourriture zéro. Ça va être problématique. Alors, est-ce qu'il faut que je débloque l'idée de l'arc? C'est pas ça que je veux, c'est ça. Ça veut dire que je fais peut-être pas assez d'anguilles aussi. Je vais peut-être m'en faire un autre panier dans l'autre petite mare. Ah, ça se débloque maintenant, c'est plus automatique. Arc simple. Alors, il faut que j'ai l'établi de boucher. D'accord. Eh ben, allons faire l'établi de boucher. Hop, viande crue. Tac. Là. Dès que j'aurai construit l'établi de boucher, je pourrais aller me faire un arc. Pas aller me faire. Toi, t'es toujours pas. Donc, on peut voir viande crue d'hier, oui, de Muffalo. Donc là, hop, si je veux voir, c'est. Non, en haut à droite, là, extraire paille 20 sur 20, voilà.
Donc c'est pas 20 sur 20. Là, si je prends celle qui est à côté, elle est extra paille 0 sur 20. C'est moins intéressant. C'est le matin. Hop. Tac. Quand elle aura fini. Stockage de la paille. Très bien. Très utile, stockage de la paille. Et coller. Ah, ça y est. J'ai eu des tiens. Donc je peux soit mettre des collets, mais en général, je suis pas fan. Un petit arc qui ne permettra pas de chasser les pirates ou les clans adverses. Mais ça me permettra d'aller chasser les lapins. Lapins. Chasser les animaux sauvages. Donc là, c'est pareil. Tac, tac. Et répéter. Pêche 90%, c'est large en fait. Ça veut dire que ça se renouvelle automatiquement. Alors, chasse. Allons chasser les animaux sauvages. Alors, pour trouver les animaux sauvages, on va utiliser l'overlay de température. Il va nous permettre de voir les petits points. Hop, les petits lapins. Tac. Allez me chasser ça. Tac, tac, tac. Déjà, ça devrait mieux se passer. On va aller engrais. On va aller de l'eau. Taux de croissance. Voilà. Ouais, du lin, mais le lin, en fait, je m'en fous. Pour l'instant, je m'en fous. Je sais que tôt ou tard, j'en aurai besoin du lin. Parce qu'avec le lin, on se fait des vêtements. Les vêtements sont utiles. Donc là, j'ai récolté quelques baies. Qu'est-ce qui va chasser? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu ramasses. Oh, paye tes allers-retours. Il y a peu de nourriture. Oui, je sais. Il va y en avoir assez rapidement, mais. Passer en x4. Voilà. On a tué le petit lapin. Donc, elle prend le lapin, elle l'amène à l'établi à boucher, elle à boucher. Et ça me débloque le séchoir à peau. Le séchoir à peau, ça permet d'avoir des peaux séchées. Et je vais pouvoir faire de la viande cuite maintenant. D'accord. Là, j'ai dit que j'en voulais combien? 10. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Là. Voilà, donc il a fait le séchoir à peau, donc ils vont aller chercher les peaux. Et ils vont les emmener à sécher, en toute logique. J'ai pas besoin de leur dire. Ouais, voilà.
J'ai bien fait quand même. Déchetterie. Hop. Déchetterie, on va faire là. Hop. Et on va passer ces quelques là. Hop, de l'anguille. Voilà, c'est bon. J'ai 2 jours de bouffe maintenant. Alors, nouvelle idée importante disponible, le four à poterie. 3. Wow. Consomme l'argile et du charbon de bois pour produire poterie, tuiles et briques. Eh ben, essayons le four à poterie. Enfin, pas essayons parce que je l'ai déjà bien essayé avant. Mais ça, c'était avant. Paf. Allez. Alors, le four à poterie me permet de faire de la brique, des tuiles et des cruches. Et des cruches, c'est aussi très important. Ça, je vais en faire une cinquantaine de chaque. De toute façon, ça se fait par groupe de 25. Tac. Ouais, ça serait bien que j'ai des colons femelles cruches. Oh. Il est désagréable ce garçon. Le truc pour stocker les cailloux, c'est ça, stockage de rochers. J'en ai encore 30. Encore 4, je veux dire. Que ça prend une place, ces saloperies. Ouais, si on le laisse un trop longtemps, ça diminue en qualité, et quand ça arrive à zéro, eh ben ça devient gâté. Ah oui, et puis aussi quand il pleut, ça abîme davantage. Ça, il faudrait pas que ce soit dehors. De mémoire. Ouais, il y a des trucs. Il y a des trucs qui vaut mieux que ce soit pas que ce soit dehors. La peau séchée. Ça, il vaut mieux. Voilà, ce petit symbole, hein, garder au sec. Ouais, bah, il faut un stock à l'intérieur. Donc, du coup, il faut que ici, je l'interdise. Les peaux fraîches, ça, les ficelles ne craignent rien. Minerai, pierre, rocher, caisse, la paille. La paille. De toute façon, la paille, il la stocke ici. Gerbe d'avoine. Bah oui. Oui, ou même pour l'instant, je vais faire une grande pièce, hein, je vais pas m'emmerder. Bien. Bruyère, ouais. Donc là, tout ça, je vais faire un autre stockage, un autre dépôt de composants. Tac. Hop. Dans lequel je vais mettre tout ce qui craint l'humide. Donc je vais tout interdire sauf ça. De toute façon, je vais avoir un peu plus tard, je vais avoir les caisses. Des caisses qui permettent de stocker ces trucs. Et donc du coup, ça prend moins de place derrière aussi. Hop.
Voilà, corbeille argile typiquement. Ah, je peux arroser, je m'en fous un peu. Hop, fais-moi une corbeille argile par là. Tac. Pourquoi est-ce qu'il met l'argile ici? Mais l'argile, ça craint pas. Merde, je me suis planté. C'est pas l'argile qui craint. L'argile, ça. Je me suis trompé, c'est pas. C'est ça. C'était les cendres de bois qui ne doivent pas rester dehors. Tac, tac. Je me suis trompé. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Hop. Bon, disons que j'en manque pas d'argile. Déclencher un feu, combattre un incendie. Là, maintenant que j'ai une cruche. La fin du jour 3. Là, j'ai 0 de points de vidé, donc. Alors, j'ai repéré qu'en creusant, ça faisait pas mal de points de vidé. Ah oui, j'ai que 7 tâches en cours. Ok. Faudrait peut-être que j'en prévoie d'autres. Parce que tant qu'il bosse pas, bah, il gagne rien. Faut un peu de feu de bois. Chasse. Non, c'est dans les tâches. Alors, hop. Allons chasser d'autres lapins. Okay. Ah, mais c'est mes poules là. Je pourrais faire des WC. Et non, parce qu'il faut que les WC soient. Il faut pas que ce soit sur de la roche. Alors ceci. Oui, mais ce. Je peux pas faire de. Je peux pas faire de WC parce que j'ai pas de. Comment? J'ai pas de mur. Je sais pas faire de mur. Ce qui est un peu débile. Et pour ça, il me faut des points d'idée. Bon, bah je vais crever. Extra creuser la montagne. Hop. Tac, je vais faire une autre pièce là. Avec un accès ici. J'avais pas prévu de m'installer ici, c'est le problème. Hop. Tac. Ah, qu'est-ce que j'ai débloqué là? Ah, cruche d'eau, oui. Donc ça, c'est ce sera utile quand il fera froid. On peut dégeler de. Parce que si tu as de l'eau dans tes cruches, eh ben. Comment? Si tu as de l'eau dans tes cruches et qu'il fait froid, bah, l'eau, elle gèle. Logique. Et donc, il faut. Il faut penser à dégeler de l'eau de temps en temps. Alors, qu'est-ce que j'ai en stock ici? Du foin, passer à la batteuse pour de la graine et de la paille. Ok. Branchage pour aller en chercher. Tiens, je pourrais faire du. Ah oui, je m'étais débloqué. Chemin de terre. Pour se faire des accès un peu rapides. Ça permet de booster un peu la vitesse. Hop. Ça aussi, ça va me donner des points.
Et ça s'appelle un avant-poste. Jour 4. Donc là, hop, on voit en haut à droite, en haut à gauche, pardon, vitesse de déplacement 1,11, alors que là je suis à 0,77, là je suis à 0,56. Donc voilà, l'intérêt de faire des chemins en terre, c'est que ça permet d'accélérer nettement les déplacements et gagner du temps. Et le temps, c'est presque de l'argent. On va même en faire jusqu'à mes latrines. Ah, là, je peux pas en faire. Vitesse de déplacement 0,83. Ah, j'ai mes premières. Et là, c'est quoi? C'est 0,71. Tac. Ça perpète mes latrines quand même. Ah, stockage des rochers. Enfin. Ça prend une place, les rochers. C'est une catastrophe. Hop, fais-moi des portes en plus. Tac, tac. Stockage du minerai de fer. Hop. Je vais des lances je vais on va arrêter l'épisode YouTube ici. Ah, c'est la nuit. On dit au revoir YouTube et on dit à bientôt et à tout de suite même puisque je continue. Je vais juste faire une petite non, on dit au revoir YouTube. Bisous bisous, j'espère que l'épisode vous aura plu, j'espère, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé, si le jeu vous semble être intéressant ou non. Voilà, si vous avez repéré un bug, puisque notre ami 30% serait intéressé pour voir s'il y a des coquilles encore qui traînent. Et voilà, et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.